direct de la manif lycéenne là. Ouais, ah, tu vois, waouh, il y a tant de gens.
Gérard Pagui, c'est pas quoi, hein? Donne aux lycéens surtout! Je sais pas lesquels sont dans le calme, mais on est escorté de deux côtés par les CRS. Mais ça ressemble à une manif normale. Effectivement, il y a beaucoup de lycéens, il y a quelques étudiants et on peut voir qu'il y a des gilets jaunes aussi, il y a la CGT.
on est suivi de très très près par une armée de CRS, mais genre vraiment une armée quoi. Là même à côté on est là, il y en a là, il y en a là, il y en a des deux côtés et derrière c'est la folie quoi. Ah ouais non mais derrière là c'est un truc de malade quoi. Je sais pas combien ils sont mais c'est une armée quoi. On est entre Jeanne d'Arc et Arnaud Bernard là. On est ouais on se dirige vers Arnaud Bernard là. Eh ben tout pas avant l'heure. On marche assez vite. Le cortège va assez vite là. Escorté de près, assez rassurant. Ah ben là, à droite, à gauche. Non mais regarde. Regarde à gauche. Non, ils sont là-bas. Il y en a partout, il y en a partout. Derrière, ils sont 50, 60, je crois. Là, on voit que je sais pas combien on est, c'est dur de faire une estimation en vrai. Peut-être 500, je sais pas en vrai. On est vraiment suivi de près quoi par les CRS là. C'est beaucoup 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 de lycéens. Bon là, ils ont lancé une petite Marseillaise. Thank you.
on a le soutien de quelques gilets jaunes. Ah, je respire. Alors là on stagne, je sais pas pourquoi. Ça filme de tous les côtés. Je suis à la tête du cortège en fait là, plus ou moins. Ne vous regardez pas! Rejoignez-nous!
de ramasser des pavés et de balancer. Go! Recommencer. La meilleure façon de lutter, c'est encore la nôtre. C'est de ramasser des pavés et de balancer. Et de recommencer. La meilleure façon de lutter, c'est encore la nôtre. Ralentissez! Ralentissez! Oh, ralentissez! Ralentissez! On va trop vite, on va trop vite. Rami! Mais il sert à rien, ton méga. Bon, pour l'instant, c'est super bon enfant, ça chante, on marche tranquillement, franchement. C'est assez jovial et tout, c'est cool. On est pas fatigué. On est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On est pas fatigué. Ambiance là. Bah encore une fois pour le nombre c'est difficile d'estimer franchement. Bon plus de 1000. Environ 1000 personnes ouais. Mais c'est difficile de faire une estimation comme ça là. Pour l'instant, tout se fait dans le calme et les chansons, c'est cool. On est quand même bien escorté par les CRS, quoi. Hein ? Ils sont tous ensemble, ils revenaient du Mirail à pied, quoi. Donc, quand je les ai appelés au départ de la manif, ils étaient à pas de doigts, quoi. Donc, C'est intéressant de voir quand même qu'il y a aussi des gilets jaunes. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a quand même pas mal de gilets jaunes qui sont là en soutien avec nous, des étudiants et beaucoup de lycéens quand même. Tu vas garder la bouteille. Oui. Hier c'était plus sauvage. Oui, ben nous aussi.
Vous êtes tout devant. Nous, on va dépasser là l'entrée de TV. Les profs, je crois pas qu'ils soient trop présents sur cette manif, non. Oh, oh en fait, c'est pas le mec que tout le monde a fait. Ouais, dis-lui que je... On se remet dedans là. Ah cool. Tes camarades. Ça va ou quoi? Ouais, toi. Ouais. Ah, regarde combien on est sur le live. Ah, mais c'est sur le live solidaire? Oui, c'est moi qui le dis. Regarde combien on est sur le live. C'est combien? C'est 330. Mais tu sais que les gens ils nous entendent hein, quand on parle. Ouais, je m'en bats les couilles. C'est marrant. Hein. Coucou. Adrien, il est où? Ils sont en train d'arriver de la fac, il n'y a pas. Je fais des petits commentaires tout à l'heure. Nous voyons donc des manifestants manifester. Ils manifestent. J'ai inondé mon écharpe de citron. Pas mal, bien vu. J'en ai d'autres dans mon sac. Moi je suis l'eau, je suis le rechargement ouais, en eau, j'ai 10 bouteilles d'eau. Ouais, 10. Ouais, moi j'en ai deux, ouais, vraiment. Boum. Moi j'ai pris une trousse de premier secours et tout, je suis tranquille. Je prends mon crush de la vie, ce mec, mais il est hétéro. Le virage qui va être au courant. Bah, c'est pas grave. Merde, en plus, les gens me voient. Non, c'est bon, t'en es pas. On était déter. Bon, je pense qu'on va se diriger vers Saint-Cyp là, tranquillement, mais sûrement. On marche quand même assez vite. Mais grave, ça va super vite. Le cortège va ultra vite, enfin, marche rapide quoi. Il est quelle heure là? En 30 minutes, on a fait Jean Jaurès. Ouais, c'est un drapeau de la France. Jean Jaurès, pont. Pont je sais pas comment ça s'appelle. Hein? Ah ouais. On a un nazi là-bas. Le drapeau de la France. Tu la roules? Ouais, je veux bien. Ah, sur le périph. Ah ouais, ah ouais. On ne fait pas on ne de pas se faire, s'il te plaît. Ouais, de ouf.
Bon, là, on fait un arrêt. Hein. On calme un peu le jeu parce qu'on va assez vite quand même. On s'arrête régulièrement. En tout cas, toujours pas de débordement. Tout est très calme. On chante, on est content, c'est cool. On est à Toulouse, hein, c'est Toulouse là. Je sais pas jusqu'où va la manif, mais en tout cas là on se dirige sûrement vers Saint-Cyprien là. Et bah, vu qu'on va assez vite, y a, je pense ouais, qu'on risque de faire un grand tour. Normalement, je dois dire qu'il s'en occupait avec RP Toulouse, mais il n'est pas là, ouais. T'as le truc d'RP Toulouse, hein? Oui, mais en fait, c'est pour RP Toulouse, hein, pour les lives. C'est cool, vous êtes pratiquement 500 à regarder le live, là. Voilà, ça montre bien que bah, les manifestations des étudiants, des lycéens et des gilets jaunes, c'est des manifestations pacifiques, quoi. Et on est... voilà, on est là, on marche, on est tranquille, on fait de mal à personne, on chante. Donc toutes ces violences policières sont quand même injustifiées, quoi. Et on espère que ça va pas dégénérer, parce que pour l'instant, il y a quand même une bonne ambiance. Et en plus, il est tout seul, il était vraiment milieu en mode... C'est marrant parce que je vois des gens qui m'ont... Attends, tu m'as dit pas ce que j'ai dit. Et du coup, on sait que voilà, cette manif n'était pas vraiment voulue par la mairie ni la préfecture qui... dès 10h du matin à stopper entièrement tout le réseau Tisséo. Donc on voit bien la volonté de disperser la manif et de faire en sorte qu'on ne se rejoigne pas et qu'on manifeste pas tous ensemble, quoi. Donc voilà, toutes les lignes de bus ont été suspendues, la ligne A, la ligne B aussi. Donc voilà, mais bon, malgré tout, on a réussi à se rassembler, on est quand même nombreux, quoi. Pacifique, franchement, ça fait du bien à voir de faire une manif comme ça où on est tranquille, où on chante. Ça fait du bien, quoi. Thank you.
Ah ouais, ouais. Nous aussi, c'est comme ça qu'on nous a trouvé. On est plus de 500 sur le live, merci, ça fait plaisir, franchement, partager. Qu'on montre que voilà, c'est les manifestations qu'on fait, c'est des manifestations pacifiques et qu'on est, on n'est pas violent et que les violences policières, elles sont injustifiées. Et que c'est vraiment bon enfant, quoi, là. Donc là, on entame le pont pour aller à Saint-Cyp. Ah, il y a quelqu'un qui vient de couper. Ok, on vient d'entendre un bruit, mais c'est pas de la part des CRS, hein, c'est de la part des manifestants, je crois. On est largement escorté par les CRS. On voit à peu près une quinzaine de camions, quoi. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais voilà, ils sont nombreux, quoi. Encore une fois, pour le nombre de manifestants, c'est dur de faire une estimation comme ça en étant en plein milieu, mais on est certainement plus de 1000, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà, après, je vais pas vous dire de bêtises. Alors non, BFM TV n'est pas là, mais on a vu France 3, je crois, et il y a d'autres médias, ouais, qui sont là. J'ai pas réussi à tous les repérer. Notre belle Garonne. Non, pas du tout, Jules. On se dirige vers Saint-Cyp. Et encore une fois, c'est une manif qui va assez vite, on marche assez vite, quoi. Ça avance, ça avance, ça avance. On fait régulièrement des petits stationnements pour rassembler la foule parce qu'on va assez vite. Faire attention de ne pas se disperser, quoi. Et de rester dense, en groupe. Je voulais un feu. Ah, ça fait plaisir de manifester sans avoir peur. Je vais partager le live. Mathéo, n'hésitez pas à partager le live, c'est super, là on est plus de 600. Franchement, ça fait plaisir, il faut qu'on voit que voilà, les manifestations des étudiants et des lycéens et des gilets jaunes, c'est des manifestations pacifiques. Bon enfant, où on, voilà, on est tous ensemble, on chante. Vous
partagez, partagez. C'est chiant pour les gens, c'est la musique, ils voient en travers. Voilà, pour tout le monde. Et bah, les gens, ils voient. Ah ouais. Je peux pas le pivoter pendant le temps. Ah ouais, merde, je savais pas. On accompagnait pas Britney Spears. Alors oui, effectivement, les CRS nous canardent pas là, mais ils nous suivent de très près et ils sont très 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 nombreux. Mais aucun débordement pour l'instant, donc ça fait plaisir. Voilà, donc on est accompagné quand même par les gilets jaunes, la CGT, il y a quand même pas que des étudiants et des lycéens. Ah oui, oui, les CRS, ils n'oublient pas de nous suivre. Hein. Là, c'est vraiment on refait un petit stop là. N'hésitez pas à partager le live, hein. C'est important de montrer que nos manifestations elles sont pacifiques.
n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs non plus. Hein. Pourquoi les gens sont pas civilisés? Chantiers qui nous soutiennent. Ouais, ça crie ne nous regardez pas, joignez-nous. Encore une fois, je rappelle que cette manifestation, la préfecture de Toulouse a essayé de la stopper en arrêtant de 10 heures entièrement le réseau Tisséo. Donc voilà, c'est une tentative pour essayer de nous disperser, pour éviter qu'on se rassemble et tout. La ligne A et B du métro ont été suspendues, l'entièreté du réseau des bus aussi, les trams 1 et 2 pareil. Donc voilà, on voit bien la tentative... d'éviter qu'on se rassemble et tout, mais bon, ça a pas marché parce qu'on voit qu'on est assez nombreux là. Ça fait plaisir de voir que malgré les bâtons dans les roues qu'on nous met, la jeunesse continue de se rassembler, et même s'il faut venir à pied de l'autre bout de la ville, on le fait quoi. Voilà là, les CRS qui nous escortent. Ça fait plaisir de voir que les gilets jaunes sont avec nous quand même. On voit quelques gilets jaunes avec nous. Même s'ils ne sont pas ultra nombreux, ils sont quand même là. La CGT également. Arturo. Voilà, on se dirige vers Saint-Cyp. Il y a moins de champs qu'au début, mais... une bifurcation là-bas. Les CRS ont bifurqué dans une petite rue, je sais pas pourquoi. Ouais, oh, j'ai un peu plus, bonjour. Ouais, j'ai vu, là on en a combien? Oh, tout à l'heure on était à plus de 700, mais là... Oh, c'est pas si bien. Partagez le live, les camarades. Hein. Tu veux que je prenne le relais? Tu parles à moi là? Ouais. Non, franchement, je pisse. Ok, grave bien, parce que j'ai pas du tout envie. Ouais, je vais toujours refaire. Bah, vas-y, garde. Voilà, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va s'arrêter à Saint-Cyp ou est-ce qu'on va continuer? Ouais, on a l'air de s'arrêter là. Y'a du monde? Ouais, y'a du monde. C'est trop bien. Y'a beaucoup de monde. Ouais, ouais. Il y a des gilets jaunes et tout. Il y a des gilets jaunes. Et il y a beaucoup de monde, effectivement. Là, on s'en rend compte en se rassemblant. On voit que ouais, il y a du monde quand même. Hein. Donc là, ouais, apparemment, ça a l'air de stationner à Saint-Cyp. Ça a l'air d'être le point final de cette manif. À voir ce qui va se passer ensuite, quoi. Qui derrière, les gars?
La Pépé là. Je vois Pépé qui nous cherche là avec sa tête. Il y a qui? Tu le vois? Ouais, je le vois. Viens, nous de toi. Ah bah vous êtes là. Ouais bah oui. Wow. Ouais, c'est bon, on a tout le monde, on a perdu personne. Pépé, il est là. Bon voilà, là on s'est arrêté, on est face au CRS. Hein. Bon bah les totos qui vont changer, on va prendre cher. On risque de prendre cher, ouais. Et là, j'arrive plus à s'en aller. Ouais, là, ça va peut-être être moins marrant que jusqu'à maintenant. Faut se préparer au pire avec ce qu'on a vu ces derniers jours. Ça risque peut-être de pas être forcément rigolo, quoi. Parce que là, apparemment, il y en a qui veulent aller au centre-ville, du coup. Je sais pas. Je sens que ça gronde un peu là. Ouais, ils essaient de passer là-bas. Ouais, en fait, il y a des gens qui essaient de passer, mais on voit que les CRS nous empêchent de passer, en fait. Là, ils font barrage, ils nous empêchent de passer. Ouais, complet, mais gros barrage. Donc, ouais, ils nous empêchent vraiment de passer de l'autre côté. C'est bon, je me suis débarrassé du mégaphone. Tout va bien. Oh, t'es content. Donc, on voit que leur but, là, c'est pas forcément... Il y a un croisement de live. Je crois que... Bon, là on est bloqué. Je sais pas. C'est sur le petit masque. Ouais, on est jamais dedans. Ouais, attention, on ne sort pas les sorties parce que ouais, c'est ça, parce que après c'est cramé. Moi j'ai mis du citron à balle sur mon chat. Putain, ouais, moi je peux rien mettre. Parce que ouais, j'ai pas pris un petit mois, quoi. Vu que je suis mise à 10h30, je peux pas sortir chez moi, je suis jamais sortie. Ah ouais. Vraiment, tout en style adapté. Bon, on attend de voir ce qui va se passer, mais rien de bon augure a priori. Théo ? Il y a quoi à droite là-bas ? Continuez à partager les gars. Nickel, merci. Non mais pas forcément de l'autre, mais du coup je sais pas comment on va gérer ça, mais... Ouais, je sais pas. Non mais là il n'y a aucune provocation de la part des manifestants, hein. On fait rien, on lance aucun projectile sur les CRS, on est statique, on fait rien du tout à part être debout et c'est tout quoi. On voit que voilà, il y a une ligne de camions de CRS, ils doivent être 15 ou 20, je sais pas franchement, mais ils sont super nombreux. Donc voilà, pour l'instant, il se passe rien. On est face à face, mais il n'y a pas d'affront, pas de violence des deux côtés pour l'instant. Paris, il y avait...
Camille, elles sont où les filles juste? Je t'ai dit, le seul problème c'est que... Ah non, moi j'étais plus là au pire, je suis pas si bien. J'ai arrêté de me battre, mais presque. Bon, c'est un peu stressant cette attente, on sait pas trop ce qui va se passer. En tout cas, les flics ils sont prêts. Hein. Mais après, voilà, ça a été. C'est vrai que les blessés qu'il y a, moi ça me fait peur aussi un peu, tu vois. Il y a des flashballs, il y a un match de rose, il y a un flashball, j'ai entendu la vie à mort. Il y a aussi un manifestant qui fait un flashball à Toulouse, c'est un peu grave, ça fait les grenades qu'ils utilisent, c'est des grenades qui sont que en France. On sait pas trop ce qui se passe. A priori, on peut pas bouger puisque les CRS nous empêchent de revenir vers le centre-ville. On est encerclés des deux côtés, ce qui ne présage rien de bon. Il n'y a absolument aucune violence de la part des manifestants. On ne cherche pas du tout la bagarre. C'est... On est juste là, quoi. On est là, debout et pacifiquement. Pacifiquement. Voilà, on le précise. Ouais, mais un scooter avec 3 mecs dessus, ça m'écrase quand même le stage. Je vais avoir des rendez-vous. Je vais avoir 3 gars dessus. Ouais. Il y en a des 4. Pour samedi, je crois pas, quoi. Genre là, ça va, mais pour samedi, les chartes, ça va. Même avec autant de mettre du Pepsi, mais pas du Coca, hein, du Pepsi. Il y a des agents protecteurs qui t'aspergent la gueule de Pepsi. Et ça calme. Il faut vraiment te verser la bouteille sur la gueule. Mais je crois que ça marche, ça. De toute façon, c'est pas compliqué. Si c'est les nouveaux gaz, il n'y a rien qui fait ça contre. Par contre, s'ils ont recensé les anciens comme ça, ils ont Bon, en tout cas, les gens commencent à s'asseoir tranquillement, à se poser. Les gens, ils s'assoient autour du rond-point. C'est tranquille, quoi. On se pose, les gens s'assoient un peu partout, on voit. Ils commencent à s'asseoir. Rien de plus pacifique que cette manif. Voilà, les gens sont assis tranquillement. On est tranquille, on est vraiment des enfants sages. Thank you.
Oui, 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 oui. Oui, oh, il y a les pompiers. C'est tout, il y en a qui n'avaient pas la saison ce matin. Il y a des gens qui sont là. Ouais, mais en fait, voilà. Et on lance. Non, là, ça. Là, il allez, Oui, je lis certains de vos commentaires, mais je peux pas répondre à tout le monde en fait. Je suis en plein milieu d'une manifestation. J'essaie de vous répondre quand je vois vos questions. Si, si, je lis bien vos commentaires quand je peux, mais je peux pas tous les lire. Vous êtes nombreux sur ce live. Je peux pas juste lancer une Marseillaise à moi toute seule en fait. Tu as dit comment la rotation, je peux. Comment la rotation sur le téléphone. Bah ah non, mais si tu passes avant. Tu fais avant, mais moi en fait j'ai essayé, il faut le couper le live. Ils vont te demander non. Voilà, les gens s'assoient. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand chose. Mais ça risque de pas durer longtemps ce calme. Effectivement, c'est dangereux parce que. On est en bloc et on est statique, mais en fait on peut pas faire grand chose d'autre parce qu'ils nous bloquent de tous les côtés et ils nous empêchent de revenir vers la ville, donc pour l'instant on reste là. Oui, on voit qu'il n'y a pas que des lycéens et des étudiants, il y a des gilets jaunes, il y a la CGT, il y a des retraités, ils sont moins nombreux que nous, mais ils sont quand même là, hein, donc ça fait plaisir d'avoir le soutien de tout le monde. Et ouais, vous êtes beaucoup à me demander de chanter la Marseillaise, mais en fait je peux pas initier un chant toute seule et c'est pas à moi de faire ça quoi. Hey, t'as eu la photo de flic là que j'ai fait. On voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont assis dans le calme. Et voilà quoi. T'as mis la tête ou quoi ? Non, pas du tout, non, je crois que je suis malade en fait. T'es malade ? Ouais. Bon. Mal à la gorge, mal à la tête. Il est là, ce n'est pas encore. Non, c'est tout, il est pas là. Du coup, de mon âge, c'est pas encore plus. Si, on l'a que 4. Je suis allé bien, 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 je su
toujours pas de débordement ni de la part des CRS ni de la part des manifestants. Tout est très calme pour le moment, mais on sent que ça risque peut-être de pas durer parce qu'ils sont quand même voilà, à un mètre de nous et ils forment une ligne et surtout ils nous encerclent quoi. On voit qu'il y en a qui ont déjà qui ont commencé à mettre de la musique, qui s'assoit par terre. Oui, effectivement, on est sur le rond-point de Saint-Cyprien, là. Mais du coup, on ne sait pas ce qu'on attend, on ne sait pas ce qu'on va faire. On peut s'amuser à compter les voitures de police. On peut faire ça. Oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de, il y a beaucoup de voitures de police et de camions et de CRS hein, un peu partout. C'est, Ouais. Ils sont en ville indienne. Je pense qu'on est sur une grosse quinzaine en vrai. Oui, 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 il y a facilement 15 camions de CRS autour de nous. C'est peut-être. Non, mais c'est une ambulance. Je sais pas. Alors, on peut vous sortir. N'hésitez pas à partager ce live. Ah. Non, c'est pas la semaine. Bon, on se doute que ça risque de pas être pacifique jusqu'à la fin, en tout cas de la part des CRS. Hein. Ouais, tu casses les oreilles. On entend des gens qui sifflent un peu partout. Ouais, on sent que la tension devient de plus en plus palpable autour de nous là. On sent que ça commence à s'agiter de côté des manifestants. Les gens se relèvent. Par derrière, mais là-bas, il n'y a rien à faire. On est sur le rond-point de Saint-Cyprien et on est encerclé de trois côtés différents par les CRS. Alors oui, les manifestants sont très calmes, hein. Nous on reste très très calmes, vraiment c'est... Mais ouais, donc là, je crois qu'il y a, il y a d'autres CRS qui arrivent en renfort, et il y a du mouvement... Il y a du mouvement du côté des manifestants. Ils ont pété la barrière, pardon. Quoi ? Ils sont en train de péter la barrière. Mais qui les flics ? Non, les... Ok, donc il y a les manifestants qui essaient de casser une barrière qui fait barrage en fait. Peut-être pour essayer de s'infiltrer et passer de l'autre côté du barrage de CRS, je sais pas. Mais on sent que ouais, la tension monte là. Tout le monde s'est relevé. Oui, on est encerclé, on peut pas partir là en fait. Il y a un hélicoptère là-haut. Ah si, un hélicoptère de la police. Super. On sent qu'on est surveillé, hein.
Et apparemment, on me dit qu'il y a eu des interpellations tout à l'heure à Esquirol. Bravo, Clément. Et les cas qui se mettent là-bas. Pour l'instant, on peut toujours bouger. Pour l'instant. Non. Il y a du mouvement un peu partout. Je sais pas ce qui se profile. Mais enfin, c'est tendu là, on sent qu'il y a de la tension dans l'air. Hein. Ils vont charger. Allez hop, ils chargent. Attends, cours. Ça charge. On essaie de pas paniquer, de rester calme. Bon, ils ont pas tardé à essayer de nous disperser, on voit que ça a été rapide. Hein. Malgré le fait qu'il y avait encore des passants avec des parents et les bébés dans les bras, ils ont pas hésité à jeter des lacrymos. Voilà, ben Saint-Cyprien est enfumé. On commence à avoir l'habitude, hein, mais... Moi j'ai perdu mes camarades, si vous voyez le live, les camarades, je suis... Bah je suis où d'ailleurs? Mais pourquoi les flics ils ont pété? Bah du coup je sais pas du tout. Oh putain, je vois un camarade Jojo. Ah putain sa mère. Bon bah y a plus personne sur la place de Saint-Cyprien. Bon voilà, on savait un peu que ça allait finir comme ça, de toute façon on s'attendait pas à plus clément de la part des CRS, hein, vu tout ce qui nous est arrivé depuis ces 3 jours.
Ça picote, hein, ça picote, ça picote. Alors on voit qu'il y en a qui ont envie de revenir au front là. Mais pour l'instant je sais pas si c'est une bonne idée, ils ont l'air quand même assez vénères à la LCRS. Et on s'est tous dispersés de quatre côtés différents, donc on est vraiment dispersés là. On a un peu perdu tout le monde. Oui oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'étaient pas là avant, on vient de se faire gazer là, alors qu'on était vraiment pacifique, on était de façon statique sur le rond-point, on était tous debout, on faisait rien, il n'y avait aucune violence, on a lancé aucun projectile, on était juste en face à face avec les CRS et ils ont commencé à nous gazer d'un coup, voilà. Donc là la manifestation s'est dispersée, on essaie de revenir devant, mais bon on sait que voilà, c'est pas marrant quoi. Ouais, grave. Ou entre le sac à dos là, non, moi je suis pas. Bon, on essaie de revenir un peu devant, lentement mais sûrement. On voit que les gens recommencent à se rassembler devant là, hein, donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on lâche pas et qu'on se laisse pas. On se laisse pas abattre par la répression des CRS là. Tout le monde est en train de revenir devant, on voit que là la foule se remet devant en bloc. Et franchement c'est positif. Là-bas, il y en a plein, ils sont rentrés dans cette rue, ils ont fait du bois. Merci à tous de nous suivre sur ce live, hein. C'est important, partagez-le aussi en masse. Je sais pas où il est, Younes, on l'a perdu, gros. Merci pour tous les soutiens que vous nous donnez en commentaire, là, ça fait plaisir. On essaie de pas trop se disperser, on essaie de se rassembler là. Tendu là, parce qu'en fait dès qu'on revient devant, dès qu'on se rapproche pour se rassembler devant de façon pacifique, je le répète, parce que nous on fait juste que se tenir debout face à eux, il n'y a eu aucun projectif de lancer, aucune violence. Il y a des blessés, j'ai entendu.
Voilà, dès qu'on essaie de se rapprocher un peu pour se rassembler devant, voilà, ils bombardent, ça canarde de partout. Et ils font pas semblant, non, non, il y a des... Moi, je suis passée à 2 cm d'une grenade, je l'ai esquivée de justesse. Là, on, ils sont chargés, du coup, donc là, ils vont... on réavance. Vous êtes plus de 1500 sur le live, merci beaucoup, ça fait plaisir pour tout le soutien que vous nous apportez. Continuez à partager le live, c'est important de montrer ce qui se passe là. C'est important de montrer la violence que les flics nous infligent alors qu'on est pacifique depuis le début. Franchement, c'était une manif hyper cool, on marchait, on chantait, il n'y a eu vraiment aucune violence de notre part. Et là, on voit que on se fait gazer de toutes parts, on s'est pris des grenades de partout. Voilà quoi, ça rigole pas, ils font pas ça dans la dentelle. En tout cas, c'est rassurant de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'il n'y a pas que des lycéens, des étudiants, il n'y a pas que les jeunes. Il y a des retraités avec nous, il y a des gilets jaunes avec nous, il y a la CGT avec nous. Voilà, il y a... Putain. Ah, ça pique. Sérum-P, il y a besoin de Sérum-P. On est là. Attention, attention à l'ambulance. Donc là, je viens de vivre une scène surréaliste. Un gamin se prend un tir de flashball ici. Il a une sorte de grosse éraflure ronde, tu vois. Je te dis pas d'accord. On se met, y a pas de problème. On se met devant la banque populaire, tu vois. J'ai ça, je le désinfecte, je lui mets une compresse. Zou petit, il va pour l'hôpital. Je laisse un peu traîner la compresse, etc. Tu m'étonnes, t'as vu l'état dans lequel on est. Les meufs de la banque qui étaient là, qui ont tout vu, elles ouvrent la porte et elles font « faut nettoyer, on n'est pas un dépotoir ». Bravo la banque populaire. Il y a un gamin qui saigne devant ta banque, t'es là, t'es présent, t'ouvres pas la porte. Par contre, c'est pas un dépotoir, mais va te faire foutre. Connard, ouais. La scène surréaliste, surréaliste. Voilà, un tir de flashball ici, c'est pris. On voit que malgré les passants, malgré les enfants, malgré les parents qui ont rien demandé, qui sont là avec leurs enfants, les flics ils s'en foutent, ils bombardent, et on se retrouve avec des enfants blessés, des enfants qui à 6 ans ils connaissent l'odeur du gaz lacrymogène, c'est pas normal. Et en plus de ça, voilà, tous les commerces nous ferment la porte à clé. Donc voilà, s'il y a quelqu'un en danger, même si c'est un enfant qui ne manifeste pas, on peut pas compter sur les commerces autour pour nous faire un refuge ou pour nous aider. On voit bien que voilà. Bon, ça commence à se re-rassembler devant, mais on sait bien que... Ça va se finir. On sait bien que voilà, c'est un jeu de yo-yo, hein. On se rassemble devant, et puis ça pète, et puis on se disperse, et puis on revient, et puis ça repète. Donc là, voilà, on commence à se re-rassembler, mais on sait qu'on va reprendre cher. Ouais, encore une fois, merci d'être aussi nombreux sur ce live. Et merci à la personne qui fait le live. Et merci à moi-même. Bon, on se prépare à se refaire gazer. Bon, on sait qu'on va pas tarder à se refaire bombarder. Là, il s'avance, donc ça va pas tarder. Pour l'instant, on n'a pas de tête derrière.
Ouais, ça c'est une bonne chose quand même. Mais bon, derrière ça mène. Voilà, là on est quand même dans une position. Bon, je dirais avantageuse avec des gros guillemets parce qu'on a un front de CRS en face, mais derrière on a personne. Ce qui fait qu'on peut rapidement s'écarter et se reculer dès qu'il nous charge. Alors là on voit que ça charge. Ça charge à balle. Hein, c'est... Ouais. Ouais, voilà, ça court, ça se disperse. Tranquille. Bah, pour ceux qui veulent l'adresse, c'était la Banque Populaire de Saint-Cyprien. Voilà. Bah, les gilets jaunes, ils sont pas nombreux, mais ils sont quand même là. On voit, ça fait plaisir quand même. Ils sont. Il y a quelques gilets jaunes qui sont avec nous, mais effectivement. Alors là, ça pète beaucoup. Là, on voit un gros nuage de fumée qui s'élève au loin. Tranquille, par contre tranquille, on va pas se mettre dans la gueule du loup. Ça y est, ils sont en train de charger de malades les étudiants, les manifestants. Ok, donc là on voit que les manifestants, ils sont en train de... Les manifestants sont en train de charger. Ils sont en train de charger avec un truc de poubelle. Les manifestants sont en train de charger avec des poubelles, avec tout ce qu'ils peuvent. Et on voit que ça avance. On essaie de contrer le barrage de CRS apparemment. Ça y est, ils sont en train de forcer le barrage de CRS. Ils sont en train de forcer le barrage de CRS actuellement là. On se tient un peu en recul hein, parce que ça a l'air dangereux devant. Et on sait pas trop ce qui se passe. Et moi j'aimerais bien essayer de tenir ce live donc on essaie de rester un peu en retrait quoi parce que ça a l'air très dangereux devant. On sait pas ce qui se passe, on voit pas. On voit pas trop ce qui se passe et. Enfin, mais ça. Ouais, ça fait mal au voies respiratoires. Ouais. Avec les manifs, j'ai été blessé, j'ai été gardé à vue à l'appel et tout. Il y a des trucs, je peux blessé, plus quoi. On va rien faire, on va pas être impolis. Voilà, parce qu'on va rester. Ils sont en train de péter les barrières qu'il y avait sur le côté en fait. Ok, ouais, ils ont pété les barrières qui étaient sur les côtés pour essayer d'infiltrer le barrage que les CRS formaient. Ils ont trouvé un passage et là ils sont en train de s'engouffrer dans le passage qu'ils ont créé. Mais à mon avis, ils vont violemment se faire réprimer parce que là, ça. Voilà, ils sont en train de forcer pour passer et à mon avis, ils vont pas. Voilà, là, c'est en train de péter, c'est en train de tirer du ciel là. Enfin, je sais pas si vous voyez parce que j'ai pas une bonne qualité de vidéo, mais on voit que ça bombarde et ils vont pas nous laisser faire comme ça. Ça pète. Bon voilà, on voit que les gens se mettent à courir très rapidement. Faut rappeler quand même que c'est dangereux de courir. Hein, même si bon des fois c'est nécessaire, mais faut essayer de pas trop prendre la panique. Parce que ça peut être encore plus dangereux un mouvement de foule qui court. Voilà, mais là ça pète de tous les côtés. Hein, c'est feu d'artifice à gogo. C'est parti quoi. Mais bon, on voit que la circulation n'est pas stoppée de ce côté, quoi. Même si on se fait gazer, en fait, les voitures passent, il y a des passants. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est le gros bordel. Alors désolé, la luminosité est vraiment pourrie, mais voilà, j'ai que ça. Bon, les gens se découragent pas, ils restent là. On n'a pas perdu de manifestants en vrai. Je crois qu'on a pas perdu de manifestants. Effectivement, on se disperse un peu des quatre côtés dès qu'on se fait gazer, ce qui est normal en fait. Mais voilà, dès que l'air redevient respirable, on se remet en bloc devant.
Ça brûle quoi, ça brûle. Mais en fait le problème c'est que par exemple la bombe lacrymale comme là elle t'aime. Ouais, pour ceux qui me disent de me rapprocher, en fait je comprends que vous ayez envie de savoir ce qui se passe un peu plus près, mais moi j'aimerais bien tenir ce live. Et voilà, moi j'ai, enfin en gros si je me rapproche je risque vraiment de pas pouvoir tenir mon téléphone et tout, donc je préfère rester en retrait pour le moment parce que ça a l'air assez violent devant. Tu peux me rapprocher un peu si tu veux voir ce qui se passe. Non mais t'inquiète, ouais. Oui bah là on peut un peu se rapprocher mais. Ouais viens, on se rapproche un peu. Là ça va, ils ont pas l'air de tenir, ni les uns ni les autres en train de charger. Donc. Merci en tout cas pour tous vos remerciements et vos soutiens, franchement c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Tu poses des questions et tout. Ouais, oh, même. Ouais, ah, ouais, ah, ah, ça pète. Disons, moi je reste tout seul parce que en fait quand je dis que j'ai pas envie d'y aller, c'est que j'ai pas envie d'y aller, c'est pas exact. Rester tout seul. Donc je dois pas rester tout seul. Non, tu restes pas tout seul, on reste avec toi. C'est pas cool ça. Bah du coup faudrait que je me trouve. Ah, je vois Joachim là-bas. Désolé, ouais, désolé Alec. Non, c'est pas grave, c'est juste que t'as dit là. Désolé. T'inquiète. Vous êtes Joachim. Joachim, je viens de le voir. Hein. Ouais, il est là-bas. Il est où? En face avec cette avec Pierre. Ah, bah ça charge. Laisse pas courir, tranquille, c'est rien. S'il vous plaît. Voilà les. On voit là que c'est normal hein, mais les gens paniquent très vite et c'est super dangereux de courir tous en même temps. On peut tomber, on peut, enfin, en fait, voilà, c'est, en fait, voilà, il faut retenir. Bon, pour ceux qui sont en manif, voilà, retenez bien que quand on se fait bombarder, si c'est vraiment dangereux, évidemment, courez, mais voilà, quand ils lancent 2-3 lacrymo, faut essayer de partir en marchant vite, mais éviter de courir parce que si on court tous ensemble, ça peut être encore plus dangereux. Bon, les gens se reculent. Ça veut dire que ça va charger vers nous. Bon, les gens repartent vers l'arrière. Et ils vont nous suivre, les flics, hein, je pense. Je sais pas si je suis la seule à faire un live. Regardez peut-être sur Révolution Permanente Toulouse. Il y a peut-être un deuxième live. Mais en tout cas, moi je suis là, je reste là. Tant que je peux filmer, je filme. Tant qu'il y a de la batterie sur mon téléphone aussi parce que ça descend vite. Je monte sur le plot. Bon ben on commence à s'y faire à cette odeur de lacrymo hein. Et on rappelle aussi, si vous l'avez pas vu, qu'il y a un enfant qui a été touché tout à l'heure et qui s'est pris un truc dans le ventre. Je sais pas si c'était une grenade ou un flashball, mais voilà, et dont la Banque Populaire de Saint-Cyprien a refusé d'aider en lui fermant la porte, quoi. Attends, je vais demander.
Bon ben ça se rassemble encore une fois. La dispersion elle marche sur le moment, mais on tient bon, on n'arrête pas de se rassembler. Il y a des camarades gilets jaunes. La livraison si tu peux. Pardon. Ça va Léo? Ça va et toi? Ouais. Fils de pute hein? Ouais. Ah ouais, ouais, non, mais ouais. Et donc, il y a trois cadeaux. Il y a un cadeau d'info. Il y a un cadeau d'info. Il y a un cadeau d'info. Et il y a un dernier canal à nous. Non, non, on est bien à Toulouse, en plein centre-ville, au quartier Saint-Cyprien. Ouais, Pépé. Ouais, j'espère que ma batterie va tenir jusqu'à la fin. Je suis plus qu'à 35% là, alors que j'étais à 100 au début. Ça descend vachement vite. Quoi? Je sais les trucs qui tombent comme ça. Là. Ça va? Oui, oui, oui. Je fais pas de mal. Hein. Bon, voilà, de toutes parts, on voit des gens se mettre du sérum dans les yeux et tout. Enfin voilà, genre il y a plein de gens qui se sont fait gazer. On voit pas bien sur la vidéo, mais il y a quand même pas mal de gens devant moi là. Alors là, il y a des manifestants qui prennent des barrières. Ouais, là, il y a un mouvement de foule. Je sais pas ce qui se passe, mais on dirait que, je sais pas, ils essaient de prendre des barrières de... Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, là? Il est derrière. J'essaie vraiment de perdre pas trop de monde, tu vois. Mais se passe quoi là? Bah alors là je crois qu'ils sont en train d'essayer de partir par là-bas, mais il y a un barrage de CRS aussi, hein, c'est pareil. Donc voilà. Ok ouais, je crois que... Ah ça recharge, ça recharge. Courez pas, tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Regardez, tout va bien, ça fume un peu. C'est bon, on est habitué, les lacrymons, on est formés. Voilà, nos poumons sont habitués. On voit que du côté des manifestants, ça essaie de, je sais pas, soit de détruire une barricade. Ils essaient de péter les barrages créés par les CRS, donc ils prennent des barrières. Il y a du mouvement de foule là, à gauche, à droite, à ma droite par contre, et ça bombarde, hein, ça bombarde, ça bombarde. Doucement, tranquille, 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 tranquille. On court pas, on court pas, on court pas, on court pas. Ça gaz, hein, ça gaz. Malade. Ils ont des putains de bouche qu'elle a dit, je trouvais pas. Pour ceux qui sont en manif, enfin je doute qu'il y en ait qui regardent ce live et qui sont en manif, mais voilà, n'oublie pas de rester groupé surtout et d'essayer de pas paniquer, de pas courir.
pense que si on change pas de direction, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer de forcer quoi. De quoi là, ou alors on va changer de direction, on va partir non, par là. C'est voilà. Ça sert à rien, là. Bah non. Là on va juste se faire taper, gazer. On va juste revenir, se faire gazer, il y a rien là. Ça va être de ouais, donc là on sent qu'on est un peu dans une impasse, on sait pas trop quelle va être l'issue de ce truc. Parce que on n'arrête pas de revenir devant, de se faire gazer, c'est un peu un cercle vicieux, il n'y a aucune issue. Franchement, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner ce truc. Là, il s'en fout, ouais, il est là tranquille. Il garde le sang-froid. Ouais, ouais, tranquille. Toi, on dirait que tu te balades. On dirait même pas que t'es en mal. Mais non, en fait. Dans les poches. Voilà, on voit, il y a des poussettes qui passent. Il y a des familles avec des bébés dans les poussettes. Hein, et on mais se fait quand même, en plein milieu des gaz lacrymogènes. Et voilà quoi. Je suis désolée, mais c'est pas normal à 3 ans de sentir l'odeur des lacrymos. Oh putain! À 11 ans, hier, une gamine qui est sortie du collège qui a fait une crise d'asthme à cause des lacrymos aussi. Ouais. Voilà. Donc on est allé la chercher, on l'a ramenée à son collège. La meuf, elle est sortie de son collège, elle s'est pris des lacrymos dans la tronche. Moi, je pense que c'est pas normal en fait, c'est pas possible. C'est pas normal en tant que manifestant d'avoir des lacrymos dans la tronche, mais c'est pas normal en tant que non-manifestant, en tant que civil, de se prendre des lacrymos dans la gueule. D'avoir des poussettes qui passent et elles peuvent pas passer à cause des lacrymos, c'est pas possible. C'est pas normal en fait. Voilà, il y a des enfants, il y a des bébés qui passent. Ça va, t'es tout seul? Non, il y a mes collègues. Ok, fais gaffe, hein. Parce que vous êtes super jeunes, donc faites gaffe. Faites attention. Et restez bien en retrait du truc. Et ensemble. Vous n'allez pas devant, vous restez ensemble. Vous ne perdez pas de vue et vous restez ici. Ouais, mais bon, quand ils en ont su, il y a tout le monde qui court. Non, mais c'est bien. Et justement, il ne faut pas courir. Il ne faut pas courir et il ne faut pas. N'allez surtout pas devant, vous êtes bien trop jeunes pour pouvoir gérer ça. Et enfin, je comprends que vous vouliez en regarder. Mais restez ici, s'il vous plaît, parce que ça peut vraiment dégénérer. Oh mais ils sont pas beaucoup là-bas, c'est là-bas, tu vois. Là-bas ils sont pas beaucoup. Amen. Baby. Elle est où, Alex? Oui, donc en fait là on est vraiment encerclé des quatre côtés. Enfin, je sais pas si vous voyez comment ça c'est fichu Saint-Cyprien, mais c'est un gros rond-point avec quatre boulevards de chaque côté en forme de croix et les CRS ils sont placés sur les quatre côtés quoi. Donc bon. On est vraiment encerclé de toutes parts. C'est quoi qui fume là? C'est la barricade qui s'est fait en poubelle. Ok, donc là il y a des trucs en feu, je crois que les manifestants ont foutu le feu à des barricades. La fumée que vous voyez là c'est. Sacha, Sacha. Courez pas sa mère. Bon, c'est très dangereux, les gens paniquent vite. On essaie de pas se perdre, s'il vous plaît. Oui. Ah, Alex, là. Wow. Voilà.
Ah, ça arrête pas de gazer, hein. Je crois qu'on est un peu pris au piège parce que en fait devant ça gaze et je crois qu'ils essaient de nous pousser vers là-bas. Et là-bas il y a des flics en fait qui nous attendent, donc en fait ils sont en train de nous nasser, ils sont en train de nous piéger, on est pris dans un étau de CRS et de lacrymo là, donc Hop là. Attends, il est où Joaquin? Attends, on essaie de capter ce qui se passe. Déjà, de repérer un peu où sont les gens. Là, ça a l'air de devenir de plus en plus dangereux. Enfin, il y a même des gens qui avaient l'air super déterminés qui partent là parce qu'ils sentent que ça sent le roussi sans mauvais jeu de mots. Et là, ils sont en train de nous piéger et à mon avis, ça va être... Ah ça putain! Ouais là on voit bien que les lacrymos elles avancent parce que... Ouais ça va, ça va. Non ça va, ça va. Par contre j'aimerais bien retrouver les camarades pour leur demander si on reste ou on part parce que moi ils viennent de voir les gens Ouais là on est tous d'accord pour dire qu'on va se faire vraiment Oh putain, oh putain, oh putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah là là là. C'est ultra chaud là. On reste ensemble, on reste ensemble, on reste ensemble. Alberta, Alberta, on reste ensemble. Ouais là en fait ils sont en train de nous prendre au piège. Hein. Franchement, je pense que nous, on va essayer de trouver un refuge le plus rapidement possible parce que là, on est en train de se faire de se faire vraiment allumer. Ouais, non, mais là, c'est n'importe quoi. Ils sont en train de nous piéger, ils sont en train de nous pousser vers l'autre barrage de CRS. Donc, on est dans la merde. Je pense que là, voilà, enfin, ne soyez pas déçus si j'essaie de me réfugier quelque part parce que voilà, moi, j'ai pas envie de prendre de risques inconsidérés. Vers l'autre barrage de CRS qui est à l'eau, enfin quand tu pars à l'opposé de, du centre-ville. Ouais, c'est la merde. Et en fait, on peut pas s'éparpiller parce qu'on est pris par l'étau des CRS, donc on est dans une rue, ils sont d'un côté et de l'autre, et on n'a aucun moyen de sortir. Et ils nous gazent d'un côté pour qu'on puisse se rapprocher de l'autre barrage de CRS, donc on est vraiment bloqués de toutes parts. Alberta, Alberta, Alberta. On est en train de se faire... On est fucked là. Les filles, ça vous dit on trouve une petite rue? Ouais. On se réfugie dedans, on attend de voir qu'est-ce qui se passe. Genre juste on part pas, on va dans une petite rue à droite. On va à droite. Là, on va essayer de se réfugier dans une petite rue pour se protéger un peu. On va pas partir de suite, mais... Il y a une wagon en plus. On essaye de... De pas prendre trop de risques. Voilà, il y a des enfants, c'est n'importe quoi.
faites attention, madame. Ouais. Ouais, là en fait on se fait gazer, alors là à mon avis soit revenez sur vos pas. Oui bah soit écoutez, moi là-bas, je commence à en avoir marre. Tu tapes le Cyprien Brasquier, ouais. Je suis... Moi aussi j'en ai marre. Ouais. C'est à côté de nous, une grise au météo. Fais gaffe à toi. Hein. C'est fou le live les gars. Il y a masse de gens qui suivent, hein. Regardez tout à l'heure en direct. Ouais, c'est... Non mais elle finit à 4h. Hein. C'est pour ça que j'ai pas envie de l'arrêter, mais non, t'inquiète, ça va. Mais bon, après, tu vois, genre là, j'ai bientôt plus de batterie, donc de toute façon... Il va falloir que je l'arrête à un moment, quoi. Voilà, désolé, il me reste plus que 26% de batterie, donc à la fin de batterie de mon téléphone, je vais plus pouvoir filmer, quoi. Il y a toujours des nuages de fumée là-bas. Bon, ils n'ont pas rechargé depuis 5 minutes, ce qui semble être un record. C'est la guerre. Et nous, on fait pas grand-chose. Eux, ils nous jettent des trucs, mais nous, on fait la serre. Bah ouais, mais en même temps, c'est pas ça. Ouais, on a rien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme ça ? Les mecs sont armés. Bah ouais. À un moment. Ils vont rien se dire. Même leurs cailloux, leurs masques. Bah, les cailloux, ça sert à quoi? Les cailloux, on se les jettera entre nous. Quand il y a des gens qui jettent des cailloux, c'est les manifestants qui les reçoivent. Ah, voilà, c'est vrai, le mec, hier, il s'est niqué. C'est vrai, ils sont dedans. Non, mais les enfants, c'est mais visé, là, quoi. Les enfants handicapés, mais moi, ça m'énerve. Il y a des enfants partout qui passent, et avec les parents, ils sont même pas au courant, et ils passent en plein milieu des nuages de lacrymo, là. C'est juste n'importe quoi, en fait. Vraiment, on voit qu'il n'y a encore une fois aucune violence de la part des manifestants. On était tranquille de façon statique et on s'est fait disperser par des lacrymos. Et même si on continue d'être là, ils continuent de nous gazer. Et on voit bien que les gens, ils ont peur. Hein. On n'est pas en train d'essayer de taper les CRS ou quoi que ce soit. Les gens, ils ont bien peur. On court dès qu'on se fait charger. Bon, après, les gens ont aussi du courage, donc on revient en masse devant. Mais voilà, on a peur aussi, donc c'est pas... C'est pas dans la violence que les manifestants manifestent. Super cette phrase. Ok, on voit qu'il y a un mouvement de foule qui revient par là. Il y a la BAC. Oh putain. À gauche. Moi je vais être discrète avec mon tel. Pardon ? Hein ? Le mec derrière là ? Oui. T'as vu ? Je crois que c'est une bizarre personne. Je crois. Ouais, je crois aussi. Parce que c'est trop flag. Oui, il est trop flag. En fait, les CRS, c'est des bizarres personnes. Ils sont hyper propres sur eux. Ils sont vraiment genre petit casque, petit blouson, petit collage en montée. Ouais, moi aussi, je le sens. Il y a CRS qui est des bizarres personnes. Il sur les côtés, il se met dans la foule. Il se met avec les jeunes. Je sais pas si c'est le même campagne. Alors on n'est pas sûr, mais on pense que il y a un CRS déguisé en casseur juste derrière nous qui a l'air vraiment très suspect. On a semblé voir un point américain, mais on n'est vraiment pas sûr. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais... Ouh là là! Alors on entend le moteur d'un deux roues là qui a l'air de... Wouh! Oh putain, c'est quoi ce bordel? Des gosses.
Viens, filme, filme, filme. C'est quoi là? Ils font quoi là? Je sais pas. Je pense qu'ils ont une moto et ils vont demander quelque chose. Ils vont demander aux gens. Oula, on sait pas ce qui se passe, mais déjà le bruit est pas plaisant. Venez. En fait là. En fait c'était juste un mec qui fait du bruit je pense pour faire du bruit. Bon ça charge, venez, hop, on y va les filles. Elle est où Alberta? Elle est là. Ouais, non, mais oui, mais en vrai. Après, mettre des coups de presse, on sait pas si on doit. C'est clair. Ouais, ils nous foutent de la pression. Putain, c'est qui m'appelle. De toute façon, ils essaient de nous bloquer. Enfin, bref, elle nous a dit. J'ai une camarade qui vient de m'appeler. Elle vient de me dire dispersez-vous. Elle vient de me dire dispersez-vous parce que là, en gros, les flics chargent et la BAC. La BAC aussi, quoi. Donc là ouais on a eu mes camarades m'ont dit on se barre, on se disperse parce que là fin, apparemment ça devient vraiment chaud. Désolé mais je vais pas continuer ce live parce qu'apparemment c'était très tendu et là ça promettait des interpellations à tout va et des gros gazages voire matraquage. Donc on est dans une petite rue, on est en train de tous se disperser. Voilà, en tout cas, merci vraiment d'avoir tous suivi ce live et de nous avoir soutenus et d'avoir été plus de... Voilà, je vois qu'on est pratiquement 1800. Oh putain, oh oui, d'accord, là, je vois de loin, oh putain. Non, on se casse. Là, c'est très chaud, casse-toi. On se casse parce que là, c'est très chaud là-bas. Moi, je viens de voir une armée de CRS courir après des gens, donc c'est hyper chaud. C'est hyper, hyper chaud. Non, les filles, là, moi, sur ce rond-point, j'ai vu des flics matraquer des gens après les manifs, donc non, c'est pas du tout bon. C'est la panique. Bon, voilà, on essaie de se réfugier, peut-être dire aux gens aussi de... Faites attention, ça gaze de fou. Ouais. Bah je vous préviens juste en fait. Mais elle va peut-être être rentabilisée le rendez-vous à l'hôpital de Gaston. Ouais, enfin je te préviens quoi genre. Non mais... Bon bah voilà, je pense que là c'est fini. Encore une fois merci d'avoir regardé ce live et merci de l'avoir partagé autant parce que franchement on était à la fin 1800 et c'est vraiment génial, merci beaucoup. J'espère que vous voyez maintenant que... comment se passent les manifestations et que vraiment nous on est dans un pacifisme total et que les flics ils nous répriment en masse et qu'ils nous font peur et qu'ils utilisent des armes assez lourdes quand même contre nous. Et on a beau rester pacifique, on a beau chanter, on a beau pas bouger, on a beau ne pas leur lancer de projectiles, on a beau rester debout sans rien faire, et bien on se prend quand même des gaz dans la gueule. Les enfants se prennent des gaz dans la gueule, les passants se prennent des gaz dans la gueule, des flashballs, le petit enfant de tout à l'heure qui s'est pris une flashball. Enfin voilà. Voilà, on voit encore des gens qui courent là, donc on voit que c'est pas fini, la répression policière continue en ce moment même. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce live. Merci.